Il y a des soirs comme ça où la douceur caresse de toutes les manières. Un peu de fraîcheur après une journée caniculaire, une nature vivante, chantante, et Schumann sous le clair de lune. Une fois encore, le temps suspend son vol à la Baume, le temps d'un concert, le temps d'une rencontre avec Simon Gréchy, jeune prodige aux influences multiples. Franco-libanais, aux origines mexicaines, le pianiste invite après Schumann à un voyage dans le Nouveau Monde, sur des œuvres inspirées des cultures ibériques et latino-américaines. Ces musiques que j'ai jouées, notamment dans la deuxième partie, sont accessibles à tout le monde et peuvent l'être, parlent directement au cœur, à l'émotion, avec le rythme, la mélodie, l'emballement, le soleil, la chaleur qu'il peut y avoir dedans. Et en même temps, peut-être pour que pour de nombreux spectateurs ce soir, c'était une première d'écouter du Schumann. Et voilà, le fait de combiner les deux, c'est à la fois un but pédagogique et du pur plaisir. Dans le théâtre de Verdure, habitués et novices écoutent, découvrent, savourent, la magie opère. Je trouve ça merveilleux. La qualité du pianiste. Les musiciens sont des niveaux remarquables. Nous venons de Londres presque chaque année pour ce festival de musique, pour y assister. J'ai passé un grand moment de bonheur avec un musicien jeune. Il joue tellement bien de son instrument. J'ai passé un grand moment. J'ai adoré le mariage entre la nature et le piano. C'était assez beau, c'était un peu hors du commun ouais, dans ce cadre. Ça m'a vraiment plu, c'était sublime. La soirée s'achève, mais les noces entre nature et grande musique continueront à être célébrées à la Baume jusqu'à la fin de la semaine prochaine.